Bonjour à tous et bienvenue sur le cahier du pianiste. Aujourd'hui, je vous propose un cours complet pour apprendre le morceau Le Portrait de Calogero. Pour avoir la partition, il suffit de regarder dans la description. Vous avez un petit lien vers le site Quick Partition et vous pourrez vous procurer le morceau. C'est une pièce assez difficile. Vraiment, il y a beaucoup de contretemps, beaucoup de rythmes pointés. C'est pas facile du tout. Heureusement, je vais essayer de tout vous expliquer. En tout cas, on travaille surtout le binaire. Là, dans tout le morceau, ce sera principalement des rythmes, donc si vous avez la partition devant les yeux. Donc, croche de double, principalement, deux croches, des noirs, mais ça, il n'y a pas de problème. Mais beaucoup de syncopettes, et donc syncopettes, c'est double croche, croche, double croche. Des syncopes sur un temps, donc. Et des croches pointées doubles. Alors, la difficulté, c'est pas évidemment de jouer ces rythmes indépendamment, mais c'est de les jouer. C'est le fait que la main droite, je vous donne un exemple, à partir de la mesure 9. Vous voyez, il y a quand même énormément de choses. On a croche pointée double à la main gauche et à la main droite, on a croche de double, quatre doubles croches. Bref, on a vraiment des rythmes très différents aux deux mains. C'est une pièce en quatre parties. La première partie fait de la mesure 1 à 8. La deuxième partie est à partir de la mesure 9, là où vous avez un petit S, une barre et deux points. Troisième partie à partir de la mesure 17, donc à la deuxième page. Là, c'est une partie où on va retrouver, heureusement, quelques difficultés retrouvées auparavant. Et ensuite, la dernière page, la page 3, qui contiendra toute la quatrième partie. La première partie est probablement la plus simple. La deuxième, la plus importante, puisqu'elle contient toutes les difficultés que nous retrouverons par la suite. Et après, la partie 3 ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Bref, vous savez tout. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire, si peut-être au niveau de ce que l'on doit jouer, puisqu'on a des systèmes de coda, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Alors, je vous l'explique une première fois. On joue tout le morceau, donc de la mesure 1 jusqu'à la mesure 25. Donc on joue la première page, puis la deuxième. À la fin de la deuxième page, tout en bas, vous voyez le petit S avec la barre au milieu et les deux points, on doit retourner à la mesure 9. Puisqu'on a le même signe. À la mesure 9, je joue jusqu'à la mesure 16, celle qui est en 2-4, et c'est marqué deuxième fois al coda, avec un cercle et une croix au milieu. À partir d'ici, je pars directement de la mesure 16 à la mesure 26, et je joue jusqu'à la fin. En résumé, je joue page 1, page 2, je reprends à la mesure 9, je vais jusqu'à la mesure 16, puis je pars directement mesure 26 jusqu'à la fin. Là maintenant, vous savez tout, on peut maintenant attaquer la première partie. La première partie est assez simple, nous n'avons que quelques accords à la main gauche. On va avoir l'accord de Fa. Et si vous remarquez, c'est à peu près toujours le même geste, c'est-à-dire que je joue la basse et l'accord à distance de quinte. C'est-à-dire que j'ai Fa, Sol, La, Si, Do, Fa à une distance de quinte. Ensuite, je vais jouer cette quinte. Ça, c'est sur l'accord de Fa, Fa, La, Do. Ensuite, je passe à l'accord de Do. Do septième. Je repars sur l'accord de Fa. Les doigtés sont toujours identiques. 5, 5, 2, 1. Pareil. Avec 5, 3, 1. Mais 5, 2, 5, 3, 1. La basse, l'accord. Basse, quinte, accord, basse, accord, basse, quinte, accord. Donc, l'accord du deuxième temps et du quatrième sont identiques. La, Fa, Fa, La, Do, Fa, Do, Fa, La, Do, Sol, Do, Ré, Sol, Sol, Ré, Do, Ré, Sol, Sol, Do, Ré, Sol, Sol. Comme cette main gauche n'est pas très difficile, je vous joue tout de suite cette main gauche à 60 à la noire. 3, 4.
on joue toujours l'arrivée de la partie suivante. Donc pour nous, ici, c'est la mesure 9. J'étais sur le sol, fin de la mesure 8. Et 4-1 sur la mi. On fera pareil à la main droite. Pour ce qui est de la pédale, très rapidement, puisque je considère que l'utilisation de la pédale est quand même très personnelle, vous le faites de telle sorte à ce qu'évidemment ça ne bave pas, mais ici ce serait sur des tentes blanches. Je coupe ici. Je coupe. Je coupe. Etc, etc. Pour ce qui est de la main droite, pas trop de difficultés, attention à ce rythme, mais nous le verrons au métronome, croche de double croche. En tout cas, je ne bouge pas, c'est ça le plus important. Do, ré, mi, ré, do, si, do, la. Ici, je me déplace sol, sol avec le pouce. Tout de suite, je prévois le do avec le troisième doigt et ça se répète. Encore une fois, mesure 5, mesure 6, arrivé sur la mesure 7, 8, et je joue donc l'arrivée sur la mesure 9. Trois choses importantes. Tout d'abord, éviter tout déplacement inutile. J'ai tout à portée de main. Et ensuite, ici, une petite excursion pour jouer le sol. Mais tout de suite, je reviens en position de la. Deuxièmement, nous jouons la voix avec la main droite. En tout cas, je joue la voix avec le piano. Donc, je respecte bien les silences. Le chanteur arrête de chanter. Donc, je dois bien faire attention de couper la note. Enfin, concernant les substitutions à partir de la mesure 7, c'est vraiment le plus intéressant et le plus pianistique. Quand on répète des notes, il faut prendre l'habitude d'à chaque fois substituer. On peut bien entendu faire ça. Mais ce sera moins intéressant pianistiquement et au niveau du son, le fait de changer de doigt remet une attaque nouvelle alors que en gardant le même doigt, ça peut avoir tendance à un petit peu être plus pâteux, si je peux dire. Mais bien entendu, vous êtes tout à fait libre. Je vais vous jouer les 4 premières mesures à 100 à la croche pour que vous puissiez voir les difficultés rythmiques. 1, 2, 3. Rien de bien difficile, normalement, ça ne devrait pas vous poser de problème. Faites juste attention avec le mi, ré, do, si, do, la. Mi, ré, do, si, do, la. Et enfin, je vous joue donc toute la main droite à 60 à la noire. 1, 2, 3, 4. Une toute petite difficulté rythmique, mesure 7, 4 doubles liés à triolet, 4 doubles triolet. N'hésitez pas à dire le nom des rythmes pour bien les jouer. 4 doubles triolet. Ayez cette sensation, on étire un petit peu le temps, on a une sorte de ralenti. Je joue sans métronome les mains ensemble en commentant un petit peu les difficultés que je peux rencontrer. Là, je dois, donc au moment où je joue la main gauche, ça soulève la main droite. Et quand je joue le sol, ça soulève mon cinquième doigt à la main gauche. Pour pouvoir rejouer le do. Je reprends dernier temps. Vu que ce do, je dois le rejouer, il faut que j'ai le temps de recharger la touche. Donc. Et au moment où je joue ma main gauche, que je joue l'accord,
C'est à ce moment que je soulève ma main droite. Je le refais lentement. Je soulève le cinquième. Et au moment où je joue ici, ça soulève le pouce. Je continue. Mesure 3. Même chose. Hop, ça soulève ma main droite. Je change d'accord, là cette fois-ci, c'est un La. Je pense aux substitutions et sur le 3. Là, vous pouvez respirer. Si quand vous le jouez, vous trouvez que ça a déjà été dur, vous prenez un petit peu de temps pour pouvoir enchaîner. Et essayez d'être bien propre sur cette attaque. Ré, La, Mi, La, Do. Essayez d'être bien propre sur l'attaque. Je vais maintenant vous jouer les... Je vais maintenant vous jouer toute la première partie à 60 à la noire. 3, 4. Cette partie ne devrait pas vous prendre trop de temps ni vous poser trop de difficultés, donc on passe tout de suite à la deuxième partie. Pour cette deuxième partie, on va bien prendre son temps pour bien intégrer les doigtés. Ils sont super importants, je les ai tous écrits ou presque. Si je ne les réécris pas, comme dans la partie 1, c'est tout simplement parce que c'est les mêmes. Mais si je les indique tous, et des fois j'ai même essayé d'être un petit peu redondant, c'est qu'ils sont vraiment très importants. On commence par la main gauche. Donc La Mi, 5 La Mi, 3 sur le Si, Do Sol, 4e. Et on rejoue. Je saute. Sol, Ré. Sol, Ré. Si, Sol. Je... L'accord suivant, accord de Fa. Ré. Déjà, vous avez bien appris ces 4 mesures à la main gauche, les 4 suivantes sont pratiquement dans la poche. Il y a une toute petite différence, enfin, voilà, il y a quelques petites différences, mais rien de bien notable. Je reprends accord de La, accord de Do, avec le quatrième, qui arrive, accord de Sol. On prend bien toute l'empreinte sous les doigts du Ré, Sol, Ré. Ici, même accord mais déplacé, Si, Sol, Si, Sol, Si, Sol, accord de Fa, accord de Ré, Sol. On regarde à partir de la mesure 13, mais il n'y a pas beaucoup de différence. On retrouve ça. Attention au doigté vraiment. Très important, quatrième ici, je soulève le Do, corde de Fa, Ré, et on retourne sur Sol pour enchaîner avec la partie 3. Je vous joue cette main gauche à 100 à l'accroche et faites bien attention au rythme. 3, 4. Thank you.
Essayez d'avoir au maximum les notes sous les doigts. Au début, on commence avec ceci. Donc, à partir du moment où j'ai tout ça sous les doigts, je ne bouge pratiquement pas sur les deux premiers temps. Ici, petit déplacement, quatrième. Ensuite, ré, sol, ré, sol, si, sol. Bref, essayez d'avoir à chaque fois le cinquième. Très souvent, en fait, c'est la note de base qui fait. Et on répète la quinte. Un conseil en règle générale pour ceux qui ont des difficultés au niveau de ces rythmes de syncopée, de croche pointée double, vous devez compter les doubles croches. Je vous fais deux mesures en comptant. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc quand je joue des croches pointées doubles, c'est sur le 1 et le 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et quand je joue des syncopettes, donc troisième temps, mesure 10. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Troisième temps de mesure 11. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si c'est difficile, vous devez absolument subdiviser à la double croche et compter. Je vous joue maintenant cette main gauche à 60 à la noire. 3, 4. Maintenant que vous connaissez ces quatre mesures, on peut passer à la main droite. La main droite, encore une fois, beaucoup de changements de doigté très importants. On rejoue avec le deuxième doigt, donc je garde le quatrième et je joue avec le deuxième. 2, 3. Encore une fois, le deuxième. Je rejoue avec le quatrième. Et au moment où je joue le 4, ça soulève mon deuxième. Je soulève ma main. Je dois tout soulever pour pouvoir jouer sol si. Encore une fois, je soulève mon deuxième doigt pour pouvoir le rejouer, pour pouvoir rejouer le si. Petite substitution. C'est pas obligé, mais je trouve ça plus joli. Mais vous pouvez jouer. C'est possible. C'est moins joli, mais c'est possible. Fin de mesure 11. 1, 2, 1, cinquième. Je repars mesure 13 avec juste la petite double croche. Comme si je redécouvrais une nouvelle fois, il y a quelques petites distinctions. Je soulève mon deuxième. 1, 4. Le deuxième se rapproche encore une fois du quatrième. Quand je rejoue le quatrième, je soulève le deuxième. Je soulève toute ma main. 2, 3, 1, 4. Je rapproche mon deuxième. Encore une fois, hop, ça soulève mon deuxième doigt. Le 1, 2, 1. D'ailleurs, remarquez que mon pouce est déjà en place dès le début. Dès que je joue le 1, 2, 1, mesure 15. La, si, do, ne quittez pas le do, puisque vous allez y retourner. On fait juste une petite excursion. La, sol, fa, do. Et comme ça, ça vous évite de faire des fautes. Surtout, ne jouez pas comme ça. Ici, j'avais mon pouce ici. Il n'était pas du tout à sa place. Je ne dois pas quitter le do. Gardez-le s'il le faut, parce qu'en plus, ce ne sera pas gênant à l'audition. Le do fait intégralement partie de l'accord, donc c'est vraiment pas un souci. Bien entendu, une fois que vous êtes habitué, vous ne le gardez pas. Mais comme ça, ça vous évite de faire des fautes quand vous revenez sur le do. Il y a plusieurs points comme ça, j'essaierai de vous les indiquer. Ensuite, ré, mi, j'ouvre ma main, fa, encore un 1, 2, 1, sol, la, fa, mi, ré, si. Je vous joue toute cette main droite à 80 à la croche pour que vous puissiez bien voir tous les détails. 1, 2.
La même chose à 60 à la noire. 3, 4. Pardon pour la mesure 17. Les doigtés peuvent vous aider pour ces mains ensemble. Remarquez qu'il y a beaucoup d'endroits où on vous demande les mêmes doigts. 3-3, 4-4, 2-2, 3-1, 3-1. Et 3-1-3-1. C'est pas facile. Donc, ces petits endroits, ces petits îlots de certitude où vous avez les mêmes doigtés, essayez de bien les anticiper pour justement ne pas vous tromper là-dessus. Je vais couper le travail des mains ensemble en deux. Je vais d'abord vous jouer à 80 à la croche, les mesures 9 jusqu'à l'arrivée de la mesure 13. 3, 4. Je termine de la mesure 13 jusqu'à l'arrivée de la mesure 17. 3, 4. Et enfin, le tout à 60 à la noire. 3, 4. Si maintenant cette partie est bonne pour vous, nous pouvons passer à la partie 3. Pour cette troisième partie, je peux déjà vous annoncer quelques bonnes nouvelles. Nous allons retrouver des difficultés qu'on a vues auparavant. Je commence tout de suite à la main droite. Cet accord, on le connaît, Do Ré Sol, on l'a déjà joué avant. Et ensuite, eh bien, c'est la mélodie de départ. Petit rythme un petit peu difficile. Vous pouvez substituer ou pas. Là, c'est tellement une microcellule que je ne discute pas. La fin. Mesure 20. Enchaînement avec la mesure 22. Toujours la même chose. Petit ternaire de croche. Donc, on ralentit, on étire un petit peu le temps. On retrouve donc la fin de la première partie. Et là, on repart pour la partie 2. Donc, rien de bien difficile. On passe à la main gauche. On retrouve encore une fois les accords. Fa. C'est ici où, heureusement que la main droite ne fait pas grand-chose, on essaye d'avoir un mouvement de poignet, c'est-à-dire qu'on fait, donc je reprends mesure 18, le fa, fa la, troisième sur le do,
donc je pivote ma main, fa, fa, do, fa, la. Je refais. Je ramène le cinquième doigt. Là, je dois tout déplacer. Je saute. Fa, fa, la. Là, c'est le mieux. Je trouve de substituer. Ça vous place directement. Et après, c'est très très simple. On garde la même disposition. C'est-à-dire sol, la, mi. Et bien là, on se décale d'une touche. Sol, fa, sol, fa, sol, sol, fa. 4, 2, 1 sur sol, do, ré. Ça se répète. Et là, tout l'accord. Je vous joue cette main gauche à 60 à la noire. 3, 4. Bien entendu, sans la pédale, cela sonne un petit peu sec. Heureusement, avec la pédale, ça passera beaucoup mieux. Surtout avec des passages avec des grands écarts. Je reprends à partir de la mesure 18. Voilà, c'est évidemment avec la pédale, ça ira beaucoup mieux. Mais c'est pour ça que je la mets très très peu, pour que vous... Il faut que ce soit propre sans la pédale. La pédale doit toujours embellir et jamais cacher. Pour ce qui est des mains ensemble, il y a une sorte d'alternance. Ensemble, gauche, droite, gauche, gauche encore. Le mi, enfin quand vous le soulevez deuxième temps de la mesure 19, surtout vous ne le quittez pas. Puisqu'on le reprend, surtout vous gardez bien le mi sur la touche. Je reprends mesure 19. Je vous joue de la mesure 17 à 21 à 100 à la croche. 3, 4. Je vous joue donc toute cette partie à 60 à la noire. 3, 4.
maintenant terminer ce morceau en passant à la partie 4. Toute la coda est contenue dans la page 3. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de la mesure 32, on connaît pratiquement tout. On retrouve donc cette partie-là. Ça, pas de souci, mesure 35, on connaît. Il n'y a que la mesure 36 où on a des accords plaqués à la main gauche. C'est pas très difficile. Donc en gros, on a 6 mesures compliquées, de la mesure 26 à la mesure 31. Il y a vraiment beaucoup de saleté, si je peux dire. Je pense particulièrement à la mesure 27. Et c'est sur la deuxième note de la main gauche qu'on doit jouer. Je refais. C'est pas facile. Vraiment, là, il faut être très propre rythmiquement. Je commence par la main gauche. Alors moi, je réutilise le quatrième doigt, mais vous pouvez parfaitement mettre un cinquième, quatrième sur les deux dernières doubles croches de la mesure 26. Je le refais depuis le début. Et là, vous pouvez très bien substituer en mettant un 5, 4, 1. Ensuite, vous essayez de prévoir tout de suite le deuxième sur si bémol. On utilise le même doigt, je sais, c'est pas très classe, mais ça nous aidera pour la suite. Do, sol avec le troisième. C'est pour ça que je mettais tout de suite à la mesure 28 le pouce sur le do, puisque comme ça, à la mesure 29, j'ai tout de suite fa do et le cinquième sur le mi. J'anticipe au maximum. Et à la fin de la mesure 29, là, je la fais, la substitution. Donc, je reprends mesure 29. Cinquième, puisque là, la distance est plus grande. Quatrième. Je soulève le pouce de sol. Et on revient sur la position qu'on connaît, mesure 32, avec le La mi. Je vous joue cette main gauche à 80 à la croche. 1, 2, 3, 4. Très propre sur ces rythmes, bien entendu, on l'accélère. Je vous joue quelques mesures au tempo final, à 60 à la noire. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. À la main droite, alors mesure 26. Deux par-dessus. Tout de suite, j'essaye d'avoir fa, pardon. Tout de suite, j'essaye d'avoir do, fa, la sous les doigts. La bémol. Alors, on doit jouer rapidement. Mais comme je dois rejouer le mi tout de suite, je garde le do. Alors, c'est pas obligé, hein, vous pouvez très bien faire. Mais je trouve que, en gardant le do, il fait partie de l'harmonie. Donc, soit vous faites ceci et vous piquez le mi, soit vous gardez le do, pour vous aider à rejouer le mi. Les deux, prenez la solution qui vous plaît le plus et qui vous permet de jouer le mieux. Le seul truc important, c'est de jouer le Ré et le Mi par la suite. Avec
avec le pouce et le 2. Ensuite, je suis calé pour sol, do, mi, sol. Encore une fois, vous pouvez mettre sur le mi, sol, pouce 2 ou ne pas bouger. Donc, je refais cette mesure. Là, j'ai pas déplacé. Et si je le fais en gardant le do et en me déplaçant à la fin. Pour les trois dernières mesures, 29, 30, 31, vous remarquez que la main droite est très très facile. On joue que sur trois notes et pour la mesure 31, on a un petit écart d'octave, mais pas grand chose. Donc la main droite est très facile, mais c'est en rapport avec la main gauche que cette main droite devient difficile. Est quand même pas mal. On joue sol, sol et on retourne sur le mi ici. Donc il y a toute seule ça va, mais avec la main gauche ça ne sera pas si simple que ça. Je vous joue une fois cette main droite à 100 à l'accroche. 3, 4. Comme d'habitude, on n'oublie pas la transition. Et enfin, à 60, à la noire. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, les difficultés arrivent avec les mains ensemble. Alors, j'y vais très lentement et vous remarquerez que très souvent, on demande à l'une des deux mains de jouer pendant que l'autre ne joue pas. Je m'explique. Là, on demande la main droite. Droite. Ensemble. Gauche qui marque le temps. Deuxième double croche. Qui est donc accentué, mais c'est pas sur le clic, donc il est difficile à placer. Et là, ensemble. Et sur le sol, je dois jouer le sol ici. Attention au déplacement. Cinquième main gauche. Encore une fois, à chaque fois là, le troisième temps de chaque mesure est marqué uniquement par la main gauche. J'ai une tenue à la main droite. Donc je reprends mesure 30. Là, ensemble. Je vous fais donc les mains ensemble très lentement à 80 à l'accroche pour que vous puissiez bien voir tous les détails. 3, 4. Alors pour cette partie, je vous l'accélère jusqu'à 120 croches. 1, 2, 3, 4.
à partir de là, on connaît la suite. Ça, c'est très intéressant pour la fin. Quand vous n'en pouvez plus et que vous dites là la fin du morceau, vous commencez un peu à tirer la langue parce qu'on a joué depuis près de, j'imagine, 2 minutes, 33 minutes. Ici, vous devez tout de suite avoir à la main droite le point de repère. Je reprends mesure 34, je joue la, si, do, je garde le do avec le pouce pour justement ne pas me tromper au retour. On retrouve le do. Pareil ici, le la. Je garde le la. Et là, on va encore une fois retourner sur le la, mais avec le cinquième doigt. Mais ça me sert quand même de point de repère. Je refais mesure 34. Hop, je suis déjà placé. Hop, je suis déjà placé sur le la. Comme ça, vous pouvez vous focaliser un petit peu plus sur la main gauche si elle est difficile, sachant que c'est au moment où on joue la syncopette. Je joue les mains ensemble. Comme ça, vous, la main droite, vous savez tout de suite où vous tombez et vous avez le temps de préparer les quatre notes. Là, c'est quand même un gros accord à jouer. Je fais bien les soupirs. Et on a fini le morceau. En tout cas, si vous avez besoin d'explications en plus, s'il y a un point qui n'a pas été clair, s'il y a des choses que vous avez du mal à comprendre, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à me poser une question, j'y répondrai. Ensuite, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire aussi, puisque ça fait toujours plaisir d'avoir des bons retours. Si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, j'ai d'autres morceaux, je crois que j'ai Imagine de John Lennon qui devrait sortir d'ici quelques temps. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant. Peut-être qu'elle est déjà sortie. Du coup, n'hésitez pas aussi à aller voir mes autres vidéos. Il y a Mistral Gagnant qui est déjà sorti avec un cours complet. On a le portrait. Et bientôt, ou peut-être qu'il est déjà sorti si vous regardez cette vidéo, Imagine de John Lennon. Et il y en a plein d'autres qui doivent venir, musique de film, etc. Donc, abonnez-vous si vous voulez être au courant de la suite. En tout cas, je vous souhaite bon courage et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao !